possible! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est parti pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et qui peut lancer Matuidi? Matuidi la surface, l'arrêt de Ter Stegen. Quelle occasion! Oh la faute! Oh la grosse faute! Grosse faute d'Oumtiti à l'entrée de la surface. Faut qu'il sorte le carton là. Neymar est en train de sortir en boitant le coup franc but. L'ouverture du score. Di Maria. Di Maria. La voilà la validation du très bon début de match du Paris Saint-Germain. Ouais, il était en feu, Di Maria depuis. Pour l'instant, dans le jeu barcelonais, ça peut être suffisant. Il a donné à André Gomes. Non. L'arrêt. Le voilà servi, le jeune Allemand. Il y va tout seul, c'est touché par Ter Stegen. C'est bien fait. Voilà sur Messi. Messi dépossédé du ballon. Ils sont à 5-6 maintenant, les Parisiens. À droite pour attaquer. Oui, à droite, Draxler. Draxler pour le 2-0. Servi par Marco Verratti. C'est Messi qui a perdu le ballon au milieu de terrain. C'est Marcelin qui est puni. Énorme première période du Paris Saint-Germain. Première période parfaite. Oui, Kurzawa qui est venu apporter dans l'axe. Kurzawa qui va vite, qui va pouvoir gagner du terrain. Donner ce ballon à Angel Di Maria. Oh, s'il voit à gauche, s'il voit à gauche. Non, oui. Il voit tout seul. Oui. Le 3-0. Le 3-0. Angel Di Maria, le doublé. 3-0 pour Paris. Oui, on était plus proche du 3-0. Et bien c'est fait maintenant. Le Barça est débordé. Il a pris des risques, c'est arrivé dans les pieds de Messi. Ouais, bien pris par Kimpembe. Ouais, patron Kimpembe là. Les Titi parisiens sont en train de botter les fesses des Catalans barcelonais. Meunier, non, Lucas tout seul. Il a manqué sa frappe. Joli Meunier, magnifique. Neymar, hein, s'il vous plaît, et Meunier qui peut poursuivre. Allez, derrière, il a gagné une cinquantaine de mètres, ballon au pied, il peut servir Cavani. Oui, ouais, magnifique. Il manquait plus que lui. Edinson Cavani après un exploit de Thomas Meunier. Monsieur un but par match. Edinson Cavani. Et le PSG est aux anges. Un Parc des Princes qui est fou de joie, ivre de joie. Rakitic pour le frapper, c'est frappé au deuxième poteau sur la tête de Gérard Piqué. Oh, c'est sur le poteau. Le poteau qui sauve les Parisiens, tout sourit aux Parisiens ce soir. C'est terminé. Terminé sur une copie parfaite. Une équipe de Titi Parisien a donné la leçon au quintuple champion d'Europe. Le Barça, le grand Barça. Le Barça de la MSN. Messi, Suarez, Neymar qui n'ont rien pu faire. Match retour, là, franchement, vous sentez comment? Après un match qui était présent pour 5 ans, et t'es passé. Mais t'es qualifié. T'es content? T'es content? Non, ou t'es pas content? Oui, j'ai content. Tu es content? Barcelone? Je suis content. Non, moi, c'est Mélissé avant, mais là, pour moi, t'es un peu énervé. Bien sûr, t'es énervé. Tu prends 5-1, après les gens ils vont rigoler de toi. Oui, mais bah, t'es passé, t'as fait 4 mouts l'année. Ouais, ok, mais c'est bien, t'es passé, mais après les gens vont dire, ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes vont dire, ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais tu prends 5-1 à Barcelone, ça va. Tu penses là, le meilleur scénario, c'est quoi, Thomas? C'est à ton avis, c'est de... Non, en réalité... Marqué dès le début, ouais, ben, ou à 0-0 à la mi-temps? Eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent attaquer, il faut qu'on mette la pression. Je pense on va marquer premier temps. Premier temps, c'est vrai. Premier temps. Parce que je pense qu'ils vont laisser des espaces. Et bon, moi, je pense que ça va le faire. Ouais, ouais. Cette année. Ouais, 4 buts d'avance quand même. Ouais, 4 buts. Les Catalans vont tenter une remontada miraculeuse. Jamais en Coupe d'Europe, une équipe ne s'est qualifiée après avoir perdu le match aller 4-0. Le centre de Rafinha avec un ballon mal dégagé par la défense parisienne. La tête de Luis Suarez. Est-ce que le but est accordé au Barça? Première seconde de jeu, le Barça enclenche la remontada. C'est ce qu'il fallait faire pour les Catalans, c'est ce que les Parisiens devaient éviter. Quelques secondes de jeu déjà à peine, 1-0 Barcelone.
Catch en débordement, ma chère Anne. Il peut siffler pénalty, hein. Il peut siffler. Il est juste en plus en face, hein. Lionel Messi, l'application de Messi. Et ça finit juste au-dessus du but de Kevin Trapp. Provocation face à Meunier. Le ballon tendu. Oh là 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 là. Iniesta. La frappe d'André Iniesta au-dessus du but de Kevin Trapp. Oh, l'erreur de Rabiot, la récupération. Ça va faire très mal, ça, Paris Saint-Germain. Messi, l'autre tout de suite. Suarez, le tir de Suarez. Oh, c'est chiant. Iniesta, attention, là, la mise Suarez, il s'est retourné. Le ballon par-dessus. Couverture de Marquinhos. Iniesta reprend ce ballon. Et le deuxième but pour le FC Barcelone. 39 minutes de jeu. L'espoir est fou, mais l'espoir existe pour le Barça. Paris chavire, 2-0 pour les Catalans. La moitié de la remontada est réalisée. Encore un Iniesta. Reste Iniesta, quelle inspiration. Oh là 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 là. Il y a faute, il y a faute sur Neymar. Il va l'en dire, ouais, ça y est, voilà. Penalty. Penalty pour le Barça, sifflé par l'arbitre de ligne. Messi pour ce penalty en puissance. 3-0 pour le Barça, 4 minutes de jeu, deuxième mi-temps. Paris est au bord du précipice. Barcelone est à un but du miracle. C'est passé pour Thomas Meunier, le centre. Oh, Cavani sur le poteau. Draxler. Carton. Rakitic. Deuxième vers Kurzawa, la remise, la Cavani, le but d'Edinson Cavani, sans doute le but de la qualification pour le Paris Saint-Germain. L'Uruguayen anéantit le Barça, 3-1, Paris respire et Paris est peut-être en quart de finale. Mieux se sentir maintenant avec encore Edinson Cavani, Edinson Cavani pour le doublé, la parade de Ter Stegen. Avec l'échappée maintenant d'entraîne Di Maria pour aller marquer le deuxième but du Paris Saint-Germain. Non, le retour à pénalty. La balle à contre Rakitic, celui-ci en fin des matchs, c'est pour Neymar. Le coup franc du Brésilien, il est merveilleux, pleine lucarne, deux trappes, 4-1 pour le FC Messi. Le ballon de Messi vers Luis Suarez, Marquinhos. Neymar face à Kevin Trapp pour ce pénalty, le contre-pied est réussi. 5-1, à nouveau le Barça est à un but de la qualification. Neymar pour ce coup franc vers Ter Stegen et Edinson Cavani. Neymar à nouveau le crochet du Brésilien, le ballon piqué.